Là, moi, en fait, mon truc à moi perso, ça va être la croix sur le visage. Dès que tu vois une croix sur le visage, ça va être neuf. Là, le plus gros, ça va être Kuro. Tu vois, c'est vraiment un truc qu'on a bossé à deux. Et là, ouais, c'est du stylo. Tu vois, les mines toutes fines là que tu peux choper. Là, par exemple, c'est du Bic qu'on a utilisé. Là, ça va être un Posca. Il n'y a pas de couleur. C'est assez simple en soi à dessiner. C'est instinctif, tu vois. Il n'y a pas de visage, je mets une croix. Et justement, pour aller au fond des choses, tu vois. Et je veux accrocher, tu vois, l'œil de la personne qui va voir mon dessin. Il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir l'impact directement sur la personne. Ça, c'est une des collabs que j'ai pu faire avec Kuro. Donc là, c'est sur une toile. C'est de l'acrylique et du Posca et plein de techniques sur une seule toile. Et on l'a appelé les princes de la ville, parce que ça fait référence du coup au petit prince. Parce que t'as toute cette notion un peu de l'espèce de lune avec le petit prince qui peut y avoir dessus au niveau de l'échelle. Et les princes de la ville, parce que c'est aussi un son du 113. Il n'y a pas de visage, je mets une croix. Et la croix, parce que dans la rue, t'as plein de personnalités différentes, t'as plein de gens différents, tu vois. Donc si t'as envie de faire quelque chose d'universel, tu dois représenter tout le monde. Le plus important, ça va être le message, ce que moi j'ai envie de dire. Et après, comment je vais le dire? Bah, tu t'adaptes. Des fois, ça va passer par un collage dans la rue, ça va passer par une peinture, ça va passer par la sculpture. Tu vois, récemment, je me suis mis à la sculpture parce que je commençais à être bloqué par les médiums. Tu vois, je voulais faire passer des trucs, mais j'avais besoin de 3D, j'avais besoin de... Donc je me suis mis à la sculpture. On a une idée, un concept de base, une thématique autour de laquelle travailler. Et ensuite, chacun va proposer des choses. Les montrer à l'autre, on va discuter et on va voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, ce qu'on fait évoluer. On va essayer aussi d'accorder un peu nos violons et nos points de vue. On n'avait pas forcément la même vision artistique des choses. Néanmoins, on est des amis, on apprécie énormément le travail de l'autre et on arrive à trouver des choses chez l'autre qu'on n'a pas nous-mêmes. Bon, du coup, c'est une œuvre en duo. Et c'est celle qu'on a intitulée Rien de spécial, en évocation au titre de l'exposition. En fait, à la base, l'idée, c'était... ça part d'un truc un peu bête, c'est de s'inspirer du Titanic, en fait. Quand le Titanic coule, en fait, dans le film, il y a les violonistes, les musiciens qui continuent de jouer. Ça veut dire que c'est un moment tragique, mais le fait qu'ils continuent à jouer, finalement, le message, c'est que la vie continue. Et du coup, dans ce dessin, on a mis vraiment une surcharge d'éléments avec beaucoup de personnages qui ont chacun une histoire. Et en fait, ça forme un tout qui s'en mêle, c'est compliqué. Ouais, faut dire ça, ouais. Tu vois? Ouais, bon, moi, je... Après, tu peux...